Sur un plan plus global par rapport au championnat et à ces 24 heures du Mans, moi j'oserais dire que pour Audi qui est champion depuis 2 ans, vous avez été champion avec Benoît et Marcel, vous visez bien sûr encore un titre. Ça n'a pas été facile, les 2 premières courses de 6 heures, elles ont été gagnées par Toyota. Il y a eu ensuite l'accident de Loïc aux essais, il y a eu la disparition de la numéro 3 trop tôt, on va dire, dans cette course. Est-ce que vous avez abordé ces 24 heures du Mans, de façon générale, dans le même état d'esprit d'habitude, ou plus de pression parce qu'on vous en met plus, parce que vous vous en mettez plus? Comment vous avez vécu ça avant? Non, moi, j'essaie de garder le même état d'esprit que j'ai pour toutes les courses, que ce soit les 24 heures du Mans ou la petite course du village, où il ne faut pas mettre les choses sur un piédestal ou les mettre moins importantes. Je pense que je reçois une voiture, c'est une R18 et 34 roues, très bien développée. Je suis le pilote et je dois extraire un maximum à n'importe quel moment de la semaine des 24 heures de cette voiture. Donc quand je monte dans la voiture, je suis pas dans les 24 heures du Mans, je suis dans une voiture où je dois extraire à 100%. Alors au niveau du palmarès, il n'empêche, hein, 3, voilà, on commence à arriver dans une zone de pilote où franchement il n'y en a pas tant que ça. Et personnellement, ça doit bien faire plaisir. Ouais, exactement, c'est quelque chose de magique. J'ai du mal un peu à le réaliser encore. La première victoire, elle saute vraiment à la gueule, je vais dire, parce que bon, c'est la première fois on se retrouve sur la plus haute marche. On a cette vue incroyable avec ce qui est le plus beau podium dans le sport automobile. La deuxième fois, comme c'est 2 fois consécutives, enfin l'une derrière l'autre, c'est impressionnant aussi parce que bon, là, on a prouvé qu'on était là pour le refaire. Et là, la troisième fois, il y a eu une année où l'année passée, on n'a pas eu trop de chance. Pour moi, c'est plus un soulagement de ne pas avoir la déception, de ne D'accord. pas devoir réattendre un an. Ça paraît un peu orgueilleux, mais on est là, on est tellement là pour gagner et pour savourer ces émotions et pour bah, vivre ces émotions que voilà, on en a besoin. Et voilà, maintenant, 3 fois, ça, c'est à mon âge de 32 ans, j'aimerais avoir une carrière encore plus longue. Donc, j'essaie d'oublier que j'ai gagné ça 3 fois et de pouvoir gagner ça encore plusieurs fois. Et si on regarde aussi le palmarès encore, on s'aperçoit qu'à part, toujours chez Audi, hein, Werner, Biela, Pirot, vous êtes parmi les seuls justement avec cet équipage-là à avoir de nouveau gagné les 3 ensemble. Ça aussi c'est quelque chose d'important parce qu'on sent bien que par le sens de la famille, hein, du côté de Audi Sport, je ne Oui. sais pas si c'est juste une vision que l'on peut avoir de l'extérieur ou si vous pouvez me la confirmer de l'intérieur, mais on a cette vision quand même de groupe. Un peu de famille, avec quand ça fonctionne, on essaye de séparer le moins possible les gens, et là, manifestement, ça fonctionne. Ah Donc, de le non. partager avec Marcel et Benoît, c'est. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Et oui, partager ça avec Benoît et Marcel, c'est simplement fabuleux parce que Benoît, c'est comme un frère pour moi. Je le connais depuis 2003 maintenant, un grand frère. Et Marcel, c'est la personne la plus gentille qu'on puisse trouver dans le paddock et le plus humble. Et du fait qu'on ait gagné la première fois ensemble et on a fait toute notre carrière en LMP1 ensemble, j'ai aucune envie de partager ça avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que c'est vraiment notre truc et que ça ferait vraiment trop bizarre d'être avec quelqu'un d'autre. Donc j'espère que ça continue comme ça et qu'on peut rester sur notre lancée. Vous n'êtes pas rassasié de course, puisque vous avez même roulé ce week-end avec une R8 pour gagner en plus, hein, donc à Spa, donc c'est bien. Et maintenant tout est relancé au niveau du championnat aussi avec Le Mans, les points comptent double, que ce soit Audi qui s'est magistralement relancé au niveau du championnat. Il n'y aurait pas eu la pole signée par Toyota, c'était 114 points partout, donc c'est à égalité. Au niveau des pilotes, vous revenez aux affaires, comme l'on dit. On devient plus ambitieux dans ces cas-là, on se met à songer à un deuxième titre, on se dit ça va quand même être dur. Ouais, c'est sûr que ça remotive parce que bon après 2 courses, les 2 premières courses du championnat d'endurance n'ont pas été très fortes pour nous et ça nous relance, ça nous motive et bon là on n'est pas loin d'eux. On sait qu'ils sont redoutables et surtout sur les circuits un peu plus sinueux. Mais voilà, on est relancé, on va tout faire pour se battre
Je pense qu'on a une bonne voiture sur certains circuits. On a vu à Silverstone que la voiture allait très bien, sinon j'aurais pas pris la tête et je pense que j'ai fait le meilleur tour en course. Donc à ce niveau-là, on a une bonne carte à jouer et voilà pourquoi on est là pour gagner. Donc on va essayer de se battre pour le titre. Austin, c'est la reprise, c'est loin, hein, c'est pratiquement aux trois quarts du mois de septembre. Quel est le programme d'André Lauterer entre Le Mans aujourd'hui et le mois de septembre? Donc j'ai participé au GT Tour à Spa. C'était apprentissage en grandeur nature pour préparer les 24 heures de Spa qui seront fin juillet, dont je vais participer avec Benoît et Marcel. Donc ça prouve de nouveau qu'on est vraiment une équipe soudée. Je remercie Audi de nous donner l'opportunité de participer aussi à d'autres courses dans un environnement de confiance. Ma prochaine course sera au Japon, en Super Formule 1, mi-juillet à Fuji. Là, je vais essayer de continuer sur ma bonne lancée. J'ai gagné la dernière course là-bas. Et voilà, et après, c'est Austin. Donc, on n'a pas d'essai de prévu entre. Peut-être un petit peu de vacances, mais bon, je vais continuer à faire du sport et être prêt pour Austin. Allez, une dernière question. 32 ans, déjà quelques petits cheveux blancs, comme quoi chez Audi, c'est pas si facile. L'avenir, c'est forcément les quatre anneaux ou il peut y avoir autre chose? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne change pas une équipe qui gagne. J'espère avoir un long futur chez Audi avec mes amis Benoît et Marcel et continuer sur cette lancée. Ça serait un rêve. Bon, j'ai 32 ans. Quand on voit Tom, il en a 45, 46, je sais pas trop exactement. Donc, c'est un exemple pour moi. Donc, j'aimerais bien au moins continuer minimum 10 ans. À condition qu'Audi continue aussi. Mais bon, à ce moment-là, il sera toujours temps de voir autre chose. Oui, voilà, ça on ne sait jamais. Donc je savoure le moment présent et j'espère que j'ai une place à long terme dans l'endurance. Merci, André.